Claude! Claude, attends! Je n'ai jamais su quoi faire depuis ce jour-là. Ça va? Oh! Pauvre garçon. Alors ça, c'est juste après la mort de Zach. Claude était encore infecté à la Mako, je rappelle. Est-ce que ça va? Il commençait seulement à sortir de son délire, en fait. Tifa! Tifa! Tifa. C'est toi, Cloud? C'est bien ça, je suis Cloud. C'est vraiment toi, Cloud? Je n'aurais jamais pensé te retrouver ici. Oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas l'air d'être bien. Oh, ça va, c'est rien. Ça fait combien d'années? Cinq ans. Cinq? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un bail. En fait, ça faisait 7 ans, pas 5. Tu as rejoint le soldat comme tu le voulais. Tu l'as quitté après l'incident avec Sephiroth. Et maintenant, tu es un mercenaire. Tu ressembles à Claude. Parle comme Claude. Mais il y avait quelque chose de bizarre. Tes histoires m'ont laissé perplexe. Toutes ces choses que tu ne savais pas et que tu aurais dû savoir. Toutes ces choses que tu n'aurais pas dû savoir et que tu savais. Je voulais connaître la vérité. Mais si j'avais insisté, tu aurais pu prendre peur et me fuir. Voilà. Et je ne voulais pas. Je ne savais pas quoi faire, j'ai donc pensé qu'il me fallait plus de temps. C'est pour ça que je t'ai parlé d'Avalanche. Je voulais t'avoir près de moi, t'observer. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle lui a pas parlé tout de suite, en fait. Elle avait peur de faire. Elle avait peur de. Bah, de confronter Cloud, en fait. Au passage, hi Mina, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy VII, NT, version type B toujours. Et je vous retrouve juste après donc la libération des arbres et tout ça, donc après le grand cratère, et que Tifa ait perdu connaissance et tout. Donc voilà, nous sommes sur la suite. J'ai coupé comme ça en cours de route, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, hein, évidemment. Aïe mes yeux! Hein? Cette lumière! Tu as dormi pendant un long moment. Laisse-toi le temps de t'y habituer. J'ai faim! Vas-y doucement, tout ira bien. Ne me pose pas de questions à son sujet. Pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était la loupiote au-dessus de son lit qui était allumée, mais en fait pas du tout. En fait, il faut comprendre ça que comme Tifa est restée dans le coma, je crois, peut-être 2-3 jours, un truc comme ça, au moment où elle ouvre les yeux, elle est assaillie par la lumière du jour, en fait. Donc c'est même pas le fait qu'il y ait de la lumière au-dessus de son lit. Parce que sinon, on pourrait se dire, s'il fait autant lumineux, pourquoi est-ce que Barrett est là et qu'il a pas de problème? C'est vraiment juste qu'en fait, comme elle est restée inconsciente bah, plusieurs jours, comme le dit Barrett, au moment où on ouvre les yeux, on est assaillie par la lumière naturelle, en fait, tout simplement. Où est-il? Je ne sais pas ce qui est arrivé à Cloud. Je sais que ce n'est pas si rassurant, mais bon. Je pense qu'il est toujours dans le cratère. Je suis sûre qu'il est en vie. Pendant combien de temps ai-je dormi? Ça doit faire une semaine. Ah ouais, une semaine. J'avais dit 2-3 jours, mais c'est une semaine quand même. Et Sephiroth, que s'est-il passé depuis? Tu n'es pas au bout de tes peines. Tout le monde dit que c'est la fin. Un immense dôme de lumière s'est dressé autour du cratère. Aux dernières nouvelles, Sephiroth dormirait au fond du cratère, protégé par la barrière. Et pour couronner le tout, d'énormes monstres appelés larmes se déchaînent. Larmes?
Tu te souviens des monstres qui se trouvaient au fond du cratère avec Séphiroth? Eh bien, ils ont maintenant refait surface. Il paraît que ce sont des monstres légendaires surgis du passé. Est-ce qu'ils protègent Séphiroth? Je sais pas, mais ils sont ici et détruisent tout ce qui se trouve sur leur passage. En ce moment, Rufus se bat contre eux. J'ai du mal à l'admettre, mais il a du cran. Ça aurait plutôt été à nous de le faire, mais on n'a pas eu le temps. Le temps? Et le météore? Ouais, le fameux météore. Il est tout prêt. Hein. T'as-tu abandonné? Je sais pas. Eh bien, moi qui m'attendais à ce que Cloud vienne vous sauver. Qu'est-ce que vous comptez faire à Cloud? Je salue ton Sephiroth. Le météore a été invoqué. À présent, il ne nous est plus utile. Tout comme vous d'ailleurs. Enfin, si, il vous reste une petite faveur à m'accorder. Monsieur le Président, tout est prêt pour l'exécution. L'exécution? Vous comptez nous exécuter pourquoi? Vous allez être exécuté en tant que seul responsable de la situation. Le peuple est ignorant, ils se sentiront mieux une fois que quelqu'un est puni. Je retire tout ce que j'ai pu dire de gentil sur cet enfoiré. Profitez de vos derniers moments ensemble. Je vais vous attacher les mains. Barrette, dois-je te rappeler que t'as un flingue greffé sur le bras? Pourquoi t'as pas descendu à Heidegger exactement plutôt que de te les attacher gentiment? Encore une fois d'ailleurs, Barrette, il a une Gatling greffée sur le bras. On m'explique comment ils l'ont attachée exactement? Enfin. Tout ça pour dire que. Encore une fois, la cohérence dans un FF. Hey, petit point de sauvegarde. Tiens d'ailleurs au passage. Je crois que je peux toujours pas en fait parce que. Techniquement, ils sont pas dans l'équipe. Je vais essayer, mais... Ah, si, je peux. Ouais, on va vite faire rouge 13 et puis je sauvegarde. Ça pourrait être un magicien, lui, à la base, c'est vrai. Avec une bonne force. Je l'avais balancé en mage rouge, lui, je crois, à la base. Ouais. Voilà. Ah, j'ai pas tout utilisé. Attendez. Ah là. Heureusement qu'il me le dit. Ok. J'ai dit que je voulais sauvegarder quand même. Ok. Alors, canon écrit avec deux N. Magnifique. Je suis même pas sûre qu'en anglais ça s'écrive comme ça, mais bon. Je pense pas. Peu importe. Vous l'avez vu, il y a Iris dans le décor. Tout le monde est en place? Allez, voilà, les responsables de ce chaos qui sabassent notre monde. Regardez, elle est derrière Barrette. À Iris, on la voit, on la reconnaît à sa coiffure. Qui sont ces gens? Votre misérable mort sera diffusée en direct sur nos chaînes de télévision publique. Ah, Madame Scarlett, voudriez-vous commenter les rumeurs affirmant que ce serait Sephiroth qui... Non! Avalanche est responsable. Détruire nos réacteurs ne suffisait pas. Ah, maintenant, ils ont détruit la planète. Putain, j'ai seulement remarqué, avec le design, justement, de Catchy qui est redesigné et tout ça, on voit vraiment la tête de Catchy, en fait, qui dépasse de la veste. Ah, oh, c'est trop mignon. Ça me dégoûte. Le public n'osera jamais l'admettre, mais ils adorent ce genre de choses. C'est vrai. Ça, tu passeras la première. Commence d'abord par moi! Caméraman de ce côté, et surtout filme bien ce qui va suivre. Le public raffole, c'est du dramatique.
Qu'est-ce que tu vas me faire? Ah, voici ma chambre à gaz préférée. Prends ton temps, apprécie les joies d'une mort lente et douloureuse. Et elle attend quoi pour foutre une tatane maintenant qu'elle est libérée? Enfin bon. Espèce de sale garce. La clé? Allez, que le spectacle commence. Alerte, alerte, arme en approche. Que tout le personnel militaire se rende à son poste. Oh non, c'est l'arme. Sauf qui peut. Regardez, 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 regardez. Hé, attendez. Ah, c'est pas vrai. Madame Scarlett, que ressentez-vous? Que ressentez-vous au moment actuel? Tu n'étais pas en fuite pour avoir... BAM! Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous, les gars? Des intrus! Je suis venue vous aider! Toi, t'es pas de la Shinra? Ah, je suis contre la peine de mort, et puis je déteste cette femme. Vite, il faut aider Tifa! Je vais monter la garde à l'entrée. Et Iris, elle s'est dirigée vers la porte. Ah, zut, je suis coincée. C'est verrouillé, peux-tu la forcer? Impossible de l'ouvrir. C'est l'arme. Il y en a eu tellement ces derniers temps. Est-ce qu'on peut s'en occuper? Quels sont vos ordres? Pas besoin de poser la question. On va tirer dessus avec notre gros canon. Ouvrez les portes du canon, activez le canon, visez l'arme. Je crois qu'il y a encore... Ouais, une cinématique. Ouais, Junon est une ville fortifiée à la base. Moi, je serais vous, j'attendrais de savoir où elle est avant de tirer à la base. Tout est prêt. Le canon. Feu! Vous avez tiré sans savoir où elle était, les mecs. On l'a eu? On l'a tout l'air. Arme en approche, vitesse 50 nœuds, elle se dirige sur nous. C'est pas possible, on a touché la cible. Non. Et le canon? Il faut du temps pour le recharger. Alors utilisons de la poudre ordinaire. À vos ordres, ouverture de toutes les portes à Kiri. Vitesse 70 nœuds, l'arme se rapproche, c'est pas bon, il attaque!
D'ailleurs, la clé a disparu au passage. Hein. Le gaz! Barrette, au secours! Retiens ta respiration, retiens le plus longtemps possible. Je peux pas rester ta main sans respirer! En effet. Vous l'avez vu, la clé a disparu. Et merde! La chambre à gaz est probablement verrouillée depuis une autre pièce. Il n'y a pas moyen de le faire ici. Il faut qu'on fasse la commande. Tifa, je vais revenir, promis. Chais. Par contre, Iris, tu comptes te changer à un moment donné? Non, ils ont verrouillé celle-ci aussi. Ah, imbécile. Vous ne pouvez plus suivre cette fille. Bordel. Ok, ok, il est temps de passer au plan B. En route pour l'aéroport. L'aéroport, tu veux laisser Tifa ici? Tifa, fais-moi confiance, on doit tenter notre chance. Bon sang, je le ferai. Je ne laisse personne derrière. Allons regarder autour de nous, ça doit être construit quelque part. Oui, Iris est bien dans l'équipe, mais pourquoi elle est toujours en tenue? Alors, normalement, on devrait partir, mais là, on vient ici. En fait, il faut retourner à la salle de contrôle, justement. Afin de pouvoir libérer Tifa. C'est le contrôle que nous avons traversé plus tôt. Peut-être que la détermino nous devons arrêter le gaz. Peut-être cela. Alors là, par contre, on va avoir une jolie référence effet fuite. C'est ça? Non, c'est une sorte de radar. Et ça. Merde, des trucs sur le canon. Allez, s'il vous plaît. Attendez, une dérogation. Ça y est! Forçage auxiliaire activé. Arrêt des systèmes non essentiels. Oh mon dieu, il y en a beaucoup! Peut-être que nous pourrions discuter? Tuez-les! Vous l'avez entendu, feu! Eh bien, merde, nous allons devoir nous battre. J'ai oublié de m'équiper, c'est pas grave. Ça devrait aller. Déjà parce qu'il y a elle. Ok, d'accord. J'avais plus pensé à ce détail. Putain, mais ils ont combien de vie exactement? Ça fait le deuxième météore qui prend dans la gueule. Je crois qu'il est mort en fait. Ouais, il est mort. Pardon. Ok, d'accord, mais ils sont nuls TD en fait. Ils sont pipés TD. Ils sont clairement pipés TD en fait, Kachi. T'es censé faire bien plus de dégâts que ça. Ok. Voilà, le gaz a été arrêté. Le gaz s'est arrêté. Et les serrures se sont ouvertes. Je dois sortir. Voilà. Donc là, en fait, Tifa ne s'est pas sauvée toute seule. Ouvre-toi! Headshot! Oh, elle est naze, cette... Ça a toujours été une grande déception pour moi de voir comment cette arme-là se fait déglinguer d'une facilité...
Je veux dire, c'est censé être les gardiennes de la Terre, quoi. Et elle se fait déglinguer comme ça en un headshot. Elle est tellement débile, cette arme. Puisqu'elle est juste devant le canon. Et elle se laisse déglinguer comme ça. Qu'est-ce que tu mijotes? Hé, ouvre! Tu m'enfermes dans cette horrible pièce et maintenant tu veux que j'en sorte? Décide-toi! Ok. Ah, il y en a un qui est tombé. Ah, et Tifa a lâché aussi. Je suppose que tu te rends compte que c'est un voyage de non-retour d'aller par là, mais bon, c'est un cul-de-sac techniquement. Notre petit jeu de cache-cache prend donc fin. Ah, le jeu des claques. L'exécution a beau avoir échoué, ça doit être encore amusant de te voir mourir précipité en haut du canon. Enfin, du haut du canon. Sale garce obstiné. Arrête de me gifler, vieille peau. Non mais oh. Non mais oh. Bon alors perdre ce mini-jeu, faut le faire, hein, faut le vouloir. Hein. Déjà parce que Tifa a beaucoup plus d'endurance que Scarlett. Juste si je ne tiens plus. Alors je sais qu'il y a eu une mise à jour du patch et que dans cette mise à jour il y a un nouveau coup à donner ici plutôt que juste une baffe. Putain, elle a des fameux obus quand même, la Scarlett. Maintenant fini de jouer. Tu pourrais vraiment tomber si tu ne te laisses pas faire. Cours. Cours jusqu'au bout du canon. Ok, on en a enfin fini avec ce passage-là. Ça va? J'ai un peu mal à la mâchoire. Enfin bref, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Eh bien, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on en parlera un peu plus tard. En tout cas, le haut vent est maintenant à nous. Heureuse que tu ailles bien, nous étions vraiment inquiets. Je me sens un peu étourdie. Oh. Et elle est malade. Yuffie, elle a le mal des transports. Mais bon sang, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt qu'on avait le vaisseau? J'ai cru que je ne reverrais plus jamais Tifa. Ah, nous ne pouvons rien faire, nous devions nous échapper. Tout s'est bien passé. Tout le monde est en un seul morceau. Tout le monde est là? Hein, ouais. Tout le monde sauf un. Évidemment. Bienvenue à bord de mon vaisseau, le Haut Vent. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais être plus enthousiaste que ça. Sid! Oh, oui. L'équipage n'est pas au complet.
Bah, de toute façon, bienvenue sur le Haut-Vent. Pensez-vous que nous sommes assez forts sans Claude avec nous? Le météore approche et l'arme se déchaîne. Face à une telle situation, je ne vois pas quoi faire. Je ne vois vraiment pas. Tifa, tout le monde va bien. Tout va bien se passer. Nous sommes là pour toi. Ressaisis-toi, Tifa. Allez, réfléchissons. Nous ne descendons pas de ce train, peu importe ce qui arrive. Alors on doit faire quelque chose. Si seulement Claude était là, il saurait comment gérer tout ça. Si Claude était là, il nous dirait quoi faire d'un air désinvolte. Il dirait « Tout va bien, Tifa. » Hey, Tifa, depuis quand tu es une chief molle? J'avoue. Pardon, Barrett. Je ne suis moi-même. Je suis si déprimée. En fait, il y a... Attendez. Êtes-vous sûr que c'était un faux? J'ai du mal à croire que la Shinra pourrait faire quelque chose comme ça. Je sais. Seulement, je veux en avoir le cœur net. Je dois le revoir. En fait, c'est surtout qu'il y a un gros travail sur les deux filles du groupe. Enfin, les deux filles principales, parce que Yuffie, à la base, c'est un personnage caché. C'est qu'en fait, Tifa est représentée comme une fille fighteuse, donc une maîtresse d'arts martiaux vraiment très forte physiquement. Mais elle est très fragile moralement, en fait. C'est une fille qui se laisse facilement dépasser par ses émotions et tout le reste. Là où Aerys, qui est au contraire plus faible physiquement, car c'est plutôt une magicienne, elle est très forte au niveau de caractère, en fait. Et c'est ça qui c'est là où le travail est vraiment intéressant, comme je dis. Je veux que tu saches ce que j'avais rien contre lui. Cela dit, il faut admettre qu'il était étrange. Quand on pensait qu'il avait tout son sang-froid, il se mettait à faire des trucs insensés. Et quand on pensait que c'était un type réfléchi, il était complètement à l'ouest. Rien ne collait chez lui, que ce soit ses gestes ou ses propos. À présent, je comprends mieux pourquoi il était comme ça. Enfin, tant que tu seras en vie, il y aura des chances de le revoir. Alors ne désespère pas. Je le retrouverai. Si nous arrivons à savoir où il est, le Haut-Vent nous y amènera, on n'a rien de temps. Peut-être que... Pourquoi ne cherchons-nous pas d'indices si Claude a survécu, alors peut-être est-il allé au village Glaçon? C'est la ville la plus proche du cratère, après tout. Le cratère s'est effondré, il est probablement enterré sous terre. Ne pense pas comme ça. Allons au moins là-bas et soyons sûrs. Nous pouvons aussi chercher ailleurs. Mon grand-père pourrait peut-être nous dire quelque chose d'utile. Intéressant. Peut-être, oui. Peut-être que Claude aussi a... Peut-être Claude a-t-il aussi... Voilà. Excuse-moi ma grande, mais je dois expliquer à ce crétin comment faire atterrir ce vaisseau. T'inquiète pas, je pense que ça prend une minute. Oh Tifa, que soit notre objectif, il faut qu'on soit bien préparé. Rends-toi à la salle des opérations pour ça. Voilà. En fait, c'est ça que je disais, c'est que il faut pas juger Tifa sur le fait que oui, elle est très forte et tout ça, et tout à coup elle est une chief molle. Non, c'est pas qu'elle est une chief molle, c'est qu'elle est très forte physiquement, parce que c'est une fighteuse, c'est une guerrière et tout ça. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué, c'est une fille qui est plutôt fragile au niveau caractère, en fait. Elle se laisse facilement dépasser par ses émotions, et c'est ça, en fait, le truc. Je fasse gaffe, parce que j'ai quand même pas énormément d'argent. Donc voilà, c'est pour ça. Niveau matériel, tu vends quoi? Ah, gravité. Ok, tous les trucs qu'on a déjà, évidemment. Et au niveau des armes, juste pour voir. D'accord. Et niveau accessoires, vu que t'en as. Oh, bague de glace. Ok. Bon. Hop. Alors, je vais reprendre Aerys, évidemment. Et par contre, je vais prendre... Sid. Est-ce qu'il a au niveau des statues, lui? Ok, c'est un fighter. Zut.
peur. Bah ça c'est tous les trucs que je vais donner à Cloud. Ok, pas mal. On va continuer encore un tout petit peu. Mais je m'arrêterai avant d'aller retrouver Cloud, vous allez comprendre. On va suivre les conseils de nos copains. Et on va commencer par aller au village glaçon. On va commencer au village glaçon pour avoir quelques infos. Et après on ira voir Bugehagen. Et après on s'arrêtera. Voilà. Donc attendez, parce que le village glaçon, il faut que j'atterrisse ici en fait. Heureusement que j'ai encore une fois nos combats. Enfin, repousse ennemi. Je jette notre inventaire de réserve, quelque chose vous plaît? Ah, ok. Inventaire de réserve. Non, non, je veux pas parler avec toi. Ok. On peut pas vivre dans ce village plus longtemps, il fait trop froid. Il faut à nouveau qu'on déménage, mais par où commencer? D'accord. La baisse de température doit être liée à ce dôme de lumière au nord. Il fait de plus en plus froid ici. Nous devrions tous partir d'ici pour aller dans un endroit comme l'île de Middel, au sud. Ok. Donc là, on nous a parlé de l'île de Middel. Apparemment, il y fait bien chaud puisqu'elle est au sud. Ça fait 60 ans que j'habite dans ce village et j'ai encore attrapé un rhume. On m'a raconté qu'il y avait un docteur quelque part sur une île du sud. J'aimerais bien qu'il vienne ici. Il n'y a pas de docteur avant. Grand-mère est malade ces derniers temps et n'a plus beaucoup de force. D'accord. C'est la première fois que la température chute si bas, si vite. Et puis, il y a cette mystérieuse lumière tout au nord. Cela présage-t-il la fin du monde? Ok. En tout cas, on nous parle beaucoup de cette île au sud, hein, évidemment. On va juste aller vite écouter ce que disent les gens là-bas. Pio, qu'est-ce qu'il y a? N'approche pas trop, tu vas te brûler, ok? Il n'y a plus personne en fait. J'ai entendu dire qu'au Grand Glacier, il y avait une femme... Ah oui, d'accord. Ah bah lui, il nous parlait justement de la fameuse femme des neiges qui donne Alexandre. Nous aussi, on devrait peut-être quitter ce village sans plus tarder. Et si on allait dans cette île du sud? Comment ça s'appelle déjà, Middel? Oui, vous insistez beaucoup. On a compris, hein. Avec toutes les choses bizarres qui se passent dans ce village, je comprends pourquoi les gens veulent partir. On a bien compris que la suite de l'histoire se trouvait à Middel, hein. On a bien compris, hein. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, on va quand même aller voir Bugehagen, qui va confirmer les dires de tous ces villageois, hein, évidemment. Mais comme je dis, on va quand même d'abord aller voir Bugehagen. Et après, on s'arrêtera là. Pour cet épisode. Bah d'ailleurs, je pense être temps de refaire du farm maintenant. Alors. Par ici. Merde. D'ailleurs, j'y pense, il faudrait que je regarde si je dois pas aller faire
Une bataille au Fort Condor, au passage. Avant de retrouver Cloud. Oui, Cloud, il n'est pas avec vous. C'est pour ça que nous sommes là, Cloud. Cloud a été... Je vois, pauvre Cloud. D'après mes souvenirs, la rivière de la vie circule en de nombreux points du globe. Mais ces endroits sont situés en profondeur, hors d'atteinte. Il y a une exception près. Une île dans les mers du sud. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ça fait des années que je n'ai pas quitté le canyon. Impossible de me rappeler. Voilà, donc lui, en fait, il nous parle d'une île au sud. Et en fait, si on avait été au village Glaçon après avoir parlé à Bugagen, bah, il nous aurait parlé de l'île de Midel, justement. Voilà. Alors, avant de partir, j'aimerais vérifier s'il n'y a pas... Si on n'a pas accès à une certaine zone, mais je crois que c'est au CD3, techniquement, qu'on a accès à la zone. Mais je vais quand même aller jeter un œil. Et comme je dis, je pense que c'est au CD3. Ah non, on y a accès. Materia Reflect et Kraulance. Kraulance. Ça doit être ça, à mon avis. Ok. Bon bah c'est là qu'on va s'arrêter, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Les nouveaux textes sont très intéressants pour bien comprendre l'histoire, parce que les anciens textes du jeu n'étaient pas du tout ceux-là, et permettent de bien comprendre qui est Sephiroth, qui est Genova, qui est Cloud. C'était très intéressant, franchement, c'est cool. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des pouces bleus en commentaire si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch, venez rejoindre la communauté. Et moi je vous dis, ciao tout le monde!